Cette première visite officielle depuis plus de 15 ans était pour nous l'occasion d'apprendre à mieux se connaître et de renforcer les liens déjà forts qui unissent le Canada et l'Espagne. Nous partageons non seulement des valeurs communes, mais aussi des objectifs communs. Plus tôt aujourd'hui, nous nous sommes entretenus sur les enjeux importants pour nos citoyens et sur le besoin de travailler ensemble pour faire avancer des priorités. Our commitment to building a world that is more open and more democratic is one of those shared priorities. Countries like Canada and Spain bear the special responsibility to promote democracy and human rights around the globe and to work together on pressing questions like peace and migration, a responsibility Prime Minister Sanchez and I are both taking up. Canadians are proud to serve alongside their Spanish allies in peace and security operations around the world. The NATO mission in Latvia, led by Canada, and the International Coalition Against Daesh are just two examples of our close collaboration as partners and allies. Nous avons aussi profité de cette rencontre pour discuter d'une autre priorité commune, l'égalité des sexes. Nous avons poursuivi la discussion que nous avions entamée lors du sommet de l'OTAN concernant le besoin de promouvoir l'égalité des sexes alors que le Canada et l'Espagne se rapprochent sur le plan économique. Pour faire croître nos économies respectives, il faut plus de femmes dans les postes de direction et dans les domaines où elles sont souvent sous-représentées, comme la technologie et le monde des affaires. Les politiques à l'échelle du pays, comme la formation des femmes et des filles dans les domaines des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques, des congés parentaux plus flexibles et des places abordables et de grande qualité en garderie sont cruciales pour y parvenir. Mais cette volonté de promouvoir l'égalité des sexes s'étend au-delà de nos frontières. Ensemble, nous continuerons de prioriser l'autonomisation des femmes dans le cadre de notre politique étrangère et de notre engagement au sein d'institutions internationales comme les Nations unies. Le Canada et l'Espagne ont des valeurs communes, mais aussi une identité en tant que pays côtier. Le Premier ministre Sanchez et moi sommes aussi unis dans notre ambition d'assurer la protection de l'environnement. Nous nous sommes entendus sur la nécessité de travailler ensemble en vue de lutter contre les changements climatiques. Le Premier ministre et moi avons discuté de notre volonté commune de mettre en œuvre l'accord de Paris et de travailler ensemble pour protéger les océans. This afternoon, Pedro and I also talked about how we can work together to create economic growth that benefits everyone. Our two countries are united in our commitment to expanding progressive trade between Canada and Spain that promotes environmental sustainability, labor rights, and gender equality. Across Canada, we're seeing how progressive deals like the Canada-European Comprehensive Economic and Trade Agreement open up new opportunities for our businesses and create good-paying middle-class jobs. Here in this city, the Port of Montreal is now hiring more people to keep up with the growing demand for Canadian products. Partout au Canada, nous pouvons constater que les accords progressistes, comme l'accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne, créent des opportunités pour nos entreprises et de bons emplois bien rémunérés pour les Canadiens de la classe moyenne. Ici, le Port de Montréal embauche plus de gens pour répondre à la hausse de demande de produits canadiens. Enfin, le Premier ministre Sanchez et moi avons profité de cette occasion pour réfléchir aux liens qui unissent les Canadiens et les Espagnols, des liens sur lesquels notre partenariat repose. Ici à Montréal et partout au pays, on entend des gens parler l'espagnol avec fierté. Nombreux sont les étudiants espagnols qui choisissent nos universités et enrichissent les salles de cours. Il ne suffit qu'aller sur la rue Saint-Laurent pour constater l'impact du patrimoine espagnol sur la ville de Montréal et sur les Montréalais. Il est clair que nos deux pays sont non seulement des partenaires fiables, mais des amis de longue date. Une amitié que je sais continuera de fleurir dans les années à venir. Later today, Pedro and I will continue our very productive discussion about shared values like diversity and support for democracy around the world, and our common goal to build economies that work for everyone at the Canada 2020 Global Progress Summit. I'm very much looking forward to this next part of his visit.